tout le monde, c'est Razer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse annonce, car nous allons parler de la nouvelle extension de Hearthstone. En même temps, nous allons faire un petit opening de 15 boosters, bon, c'est pas grand chose, mais je n'ai plus me payer que ça. On va séparer les informations en trois parties. Donc, ce qui s'est passé en début de la soirée d'annonce, donc c'était un live sur la chaîne TV Twitch de Hearthstone. Donc, au début de la soirée, on a eu des petites annonces. Ensuite, au milieu de soirée, on a eu des grosses annonces et en fin de soirée, on a eu le droit à des petits matchs pour découvrir encore de nouvelles cartes, de la nouvelle extension et voir un peu comment ça se jouait. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, Blizzard a pu se rendre compte que leur mode spectateur buguait, donc c'est assez marrant. Et puis, donc voilà, bah, on va d'abord parler du début de soirée. Donc, il y avait l'intro, donc le trailer de l'extension, qui est plus une extension comme Goblin versus Gnome, hein, faut savoir, donc c'est que des cartes. Donc je peux pas vous la mettre pour des soucis droits d'auteur, mais vous pouvez la retrouver sur ma page Facebook, donc le lien est dans la description. Ensuite on a eu deux images, enfin à la fin de l'extension on a eu une image qui était le logo de l'extension, et donc qui s'appelle le tournoi, le grand tournoi pardon, pour faire un peu plus de style, vous voyez, je vais intégrer un logo en coin d'écran. Donc, attention, voilà, il apparaît, trop magique, voilà. Donc, il va rester là, hein, il est joli. Que pensez-vous de cette vidéo, je vous rassure. Et donc, la première carte qui était dévoilée, donc avec un grand suspense, c'était une carte légendaire, donc qui coûte non. J'arrive plus à m'en souvenir. Je vais l'afficher. Voilà. Donc, elle a charge et elle coûte 1 de moins pour chaque pirate allié. Pour une carte à 7 mana, 4-6. Donc, admettons, on a 2 pirates sur le board. Ça nous fait une carte à 5 mana, 4-6. Donc, c'est vraiment pas mal. Hein. Moi, je trouve ça cool. À partir de 1 pirate, c'est pas mal. Ensuite, on a eu le lock. Local World, non, le Lock and World, pardon, décidément, qui à chaque fois qu'on utilise un sort, une carte de chasseur aléatoire est dans notre main. Donc, un petit sort à 2 mana uniquement pour le chasseur, vous aurez compris. C'est bon, sur l'assassin, on a des petites cartes pas mal. Donc là, c'était le début de soirée, donc il y avait des petites annonces comme ça, voilà, et après. Il y a eu la grosse annonce que nous allons voir après un petit opening de 5 paquets. Donc c'est parti. Le premier paquet de la vidéo avec le heurtoir. Donc le jeune faucon dragon, les cuillères d'argent, le druide de la griffe et une carte rare, le forban de la voile sanglante. Donc bon, les cartes un peu connues, hein, Druide de la griffe, donc j'aime pas trop, les cuirs d'argent, je l'ai, le jeune faucon dragon, je l'ai, le heurtoir, je l'ai. Par contre, le forban de la voile sanglante qui de guerre ôte une durabilité à l'un de votre adversaire. Bon, c'est pas très top tout ça. Deuxième paquet de la soirée. De la vidéo plutôt. Le silence, le dragon féerique, l'arpifurieux, la carte rare, l'enseignante pourpre. Et le bombardier fou, moi c'est pas trop ouf. C'est pas vraiment moi qui est légendaire en même temps. Le protecteur d'armure. La fabricante d'armure, donc chaque fois qu'un survivateur allié subit des dégâts, vous gagnez un d'armure. Pas mal. Le jeune faucon dragon, une nouvelle fois. La trahison. Et la hache de forge foudre. Ouais. Troisième paquet. L'entité miroir, l'éclair, l'âge du forge foudre, encore une fois, la carte rare et une carte normale, donc encore une âge de forge foudre et une carte rare qui est amélioration. Si vous avez une arme, il donne 1-1, sinon vous équipez une arme 1-3. C'est cool, on a déjà des cartes en double, en triple, donc on va déjà pouvoir faire un peu de poussière. C'est ce que je pense faire. On va regarder un peu les cartes. Aucune légendaire, on va voir la carte rare. L'arcaniste éthérien, le rampant, la boue de la voile sanglante, donc une carte pirate, hein, ça va être pas mal, le diable de poussière et la colère, donc la colère que j'ai déjà. Donc
Voilà, maintenant on a ouvert 5 paquets, on va pouvoir passer à la grosse grosse annonce qui est la plus grosse annonce de la soirée. Je vous mets la petite image qui a été dévoilée en première. Nouvelle mécanique. Nouvelle mécanique, on peut s'attendre à tout, tout et tout. Et donc, je vous mets une image qu'ils nous ont passée. Et donc, vous pouvez voir le petit symbole à changer. Donc, on a râle d'agonie, on a la petite tête de mort, le petit éclair et le petit drapeau. Donc, la tête de mort, c'est râle d'agonie, comme je vous disais. Le petit éclair, j'ai un petit trou, je m'en excuse. Et nous avons aussi comment vous dire, le petit drapeau qui est la nouvelle mécanique. Donc cette nouvelle mécanique s'appelle Exaltation en français. Avec cette nouvelle mécanique, donc je vous laisse un peu patienter pour deviner ce que c'est. Vous pouvez voir la nouvelle carte qui a été dévoilée en même temps que cette nouvelle mécanique qui s'appelle Squire, qui coûte un mana et avec une attaque et deux de vie. Donc elle gagne plus une attaque grâce à Exaltation. Donc, je vous laisse un peu réfléchir. La deuxième image, Maiden of the Lake. Bon, j'ai un accent anglais pitoyable, je sais. Et donc une carte qui coûte 4 mana pour 2-6, donc 2 attaques, 6 défenses, enfin 6 vies plutôt, assez résistante pour 4 mana surtout. Le pouvoir héroïque coûte 1. Vous l'avez sûrement deviné un peu, vous avez compris. Donc si vous ne l'avez pas compris, on passe à l'image suivante et vous allez voir à la fin. Le champion du Nexus, Sarahad, Exaltation, ajoute un sort aléatoire dans votre main. Donc voilà, donc si vous êtes toujours en train de réfléchir, je vous laisse passer à l'image suivante, qui sont deux nouvelles cartes mages qui ont été dévoilées, une pendant l'annonce d'Exaltation et une pendant le match. Mais elles ont tous les deux un peu Exaltation en commun, donc vous allez voir. C'est cette carte, Colder Drake, 6 mana, 6 défense, 6 attaques. Et en gros, on peut utiliser le pouvoir héroïque autant de fois que l'on veut. Donc, en gros, tour 10, donc avec 10 mana, on peut faire 5 points de dégâts avec le pouvoir héroïque. Donc, ça peut être cheaté, bon, sachant que c'est que pour le mage n'ayant que un pouvoir héroïque à un point d'attaque, c'est pas réellement cheaté, hein. Pour 10 mana, c'est pas grand-chose. Enfin, faire 5 dégâts pour 10 mana, c'est pas grand-chose. Et le deuxième carte, donc, qui son pouvoir héroïque donne, enfin, on a plus un dommage avec le pouvoir héroïque, une carte à 2 mana pour 3 attaques et 2 de vie. Donc, ça c'était un peu les cartes qui ont été annoncées. Et donc, comme je suis gentil, je vais vous expliquer la réponse. Donc, qu'est-ce qu'Exaltation? Donc, là vous pouvez voir le Frost Giant, donc, comme ses copains géants. Son coût est diminué grâce à une action, donc certains c'est comme le géant de lave je pense, c'était à chaque fois qu'on subit des dégâts, son coût est réduit. Et donc là, c'est à chaque fois qu'on utilise Exaltation, son coût est réduit. Exaltation, donc c'est, roulement de tambour, le pouvoir héroïque. En fait, si on utilise Exaltation, donc le pouvoir héroïque, par exemple le Frost Giant, son coût est réduit de 1. On utilise 10 fois le pouvoir héroïque. Le Frost Giant est gratuit. Ça peut être cool. Franchement, c'est une nouvelle mécanique. Hein. Maintenant, tout le monde va jouer avec son pouvoir héroïque. Faudra faire très attention. Et vous allez voir plus tard dans les cartes que je vais annoncer. Je vous spoil un petit peu. Ça va être pour le chaman. Faudra faire très attention au totem des chamans. Donc, on a aussi cette nouvelle arme. Donc, Poisonade Blade. Donc, on pense que c'est pour le voleur. C'est pas très sûr. Mais bon, vu la description. Votre pouvoir héroïque ajoute plus 1 à cette arme sans la remplacer, donc c'est pour le voleur, hein, sans aucun doute. Mais ça peut être modifié au fur et à mesure. Certaines cartes pourront être modifiées, bien sûr. Hein, ça tombe, il y en a qui vont coûter plus cher, moins cher. Les trucs vont changer. Tout peut changer encore.
Mais là, c'est un premier, enfin, c'est pas un premier jet, c'est plus une annonce. Quelques cartes vont changer, c'est sûr. Toutes les cartes n'ont pas encore été dévoilées, bien sûr. Je vais encore vous en dévoiler dans la vidéo. Et il y en a encore qui sont secrètes. Donc là, on va ouvrir 5 packs pour faire une petite pause. Donc le sixième pack, on a une épique. Ah, et c'est tout. Donc, ouais, l'épique qui est le bloc de glace. Pas mal, j'en avais besoin pour le mage. Le tir meurtrier. Rare. L'oracle froid de lumière. L'élémentaire délié et le worgen déchiré. Le wyrm. L'acromana. Le meneur des fia. La croisée écarlate et le garde lune. Pas top top hein, tout ça. Deux rares. Une rare qui est la jeune prêtresse. Le feu intérieur. La colère divine. Vous pêchez une carte et infliquez des dégâts dans la gueule. C'est pas mal pour le paladin. Moi jamais je joue paladin en ce moment. Donc le code de froid pour le mal et le feu démoniaque. Le golem des moissons, l'âme de la forêt, carte rare qui est la dissipation de masse, réduit silence tous les serviteurs, le feu démoniaque encore une fois, et le corsaire de l'effroi, une petite carte de rare. La dernière carte de ce morceau, une légendaire. Oh là là, on va l'ouvrir en dernier, La carte rare qui est le démolisseur, une carte méca. L'élémentaire délié et le golem des moissons. La carte légendaire qui va être. Légendaire! Milouz, tempête de mana. Donc les sorts ADRs coûtent 0 au prochain tour. C'est dommage. J'aurais espéré une meilleure légendaire. Bon, j'ai Milouz, tempête du mana. Je pense que je vais. Je vais la délier pour pouvoir plus facilement créer mon autre deck. Mais en tout cas, on est content d'avoir une légendaire, au moins une. Peut-être encore une dans les 5 derniers paquets, mais nous allons les ouvrir à la fin de la vidéo. Et donc là, nous allons parler de la fin de soirée. Nous avons vu quelques matchs, donc c'était deux joueurs e-sport. Hein, je ne connais pas trop, c'est des joueurs e-sport qui ne sont pas français, donc je ne suis pas la compétition étrangère. C'était je ne me souviens plus de leur nom. Donc on a vu quelques matchs, hein, c'était un BO3 il me semble. Et donc on a eu pas mal de nouvelles cartes Shaman, donc pour les fans de Shaman vous allez être contents. Le Tuska Totem, cri de guerre, invoque un totem aléatoire. Pour 3 mana, une 3-2, pas mal. Le Totem Golem, 2, 3, 4, donc 2 mana, 3 attaques, 4 de vie et 1 surcharge, donc c'est juste un petit surcharge. C'est une carte cheatée, franchement, tour 2. Par contre, c'est un nouveau totem. Donc, elle a les boosts des totems. Donc, par exemple, la carte qui invoque, enfin, qui donne plus 2 attaques au totem, il me semble, ou plus 2 de vie au totem, et ben elle marche sur ce totem. Donc, c'est pas mal, hein, je pense qu'on va pouvoir, on va voir arriver pas mal d'autres totems. Parce que ça, des serviteurs qui sont des totems, c'est franchement pas mal. Et ensuite, donc le. Ouh, je ne sais pas dire le nom, donc je ne dirai pas. En fait, bon, j'ai une petite fiche et j'arrive pas trop à me relire. Donc en gros, son cri. Enfin, c'est. Ouais, Totem Carver. Totem Carver, voilà. On va dire ça. Et son cri de guerre, il gagne plus une attaque et une de vie par totem allié. Donc une carte qui coûte 4 mana. Donc même si on n'a pas de totem, à la rigueur, 4 mana, 4 de vie, 4 d'attaque, c'est pas mal. Ensuite, on a eu le Thunder Bluff Valiant, avec l'accent anglais s'il vous plaît, hein, qui donne plus 2 attaques à tous les totems. Donc voilà, on va avoir pas mal de cartes comme ça arriver, je sens. Ensuite, on a eu des nouvelles cartes neutres, donc pour toutes les classes, qui est une carte qui s'appelle Kodoride. Pour 6 mana, elle a 3 d'attaque et 5 de vie.
et Exaltation, donc quand on utilise le pouvoir héroïque, elle invoque une carte 3-5 qui s'appelle War Kodo. Un peu cheaté, je trouve, hein, mais bon. Après, pour 6 de mana, voilà quoi. Il y a mieux pour 6 de mana. Et on a eu aussi, moi je suis très content parce que j'adore le mage, un nouveau secret pour le mage, donc en plus des deux cartes qu'on a vues tout à l'heure, qui s'appelle Effigie. En gros, pour 3 de mana, quand un serviteur meurt, ça le remplace par un serviteur aléatoire du même coup. En gros, c'est un peu comme une... Il y a un sort comme ça ou une attaque. Donc voilà. Franchement, un très bon secret hein, pour 3 de mana seulement. Je trouve cool. Par contre, la grosse déception pour les chasseurs, qui est la carte Ball of Spider. Pour 6 de mana, on invoque 3 tisseuses 1-1. Donc la tisseuse, c'est... Je vous la montre, voilà. La tisseuse, donc c'est une carte 1-1. De base, un coût de 1 ou 2 mana. 1 mana, voilà. 1 mana. Pourquoi avoir fait une carte comme ça pour un tel coup? Donc d'accord, si on met 2 tisseuses plus cette carte là, on en a 5 dans le deck, d'accord. Donc ça peut être bien, mais je trouve 6 mana c'est beaucoup. Après peut-être que voilà, enfin l'utilité de cette carte qui va être dure à placer dans un deck, hein, ça c'est clair, c'est d'avoir en gros 3 tisseuses, plus si on en veut 2, donc ça fera 5. D'avoir 5 tisseuses, avant on était limité à 2. Donc ça peut être ça. Faut voir comment la jouer, mais ça va être dur à placer, je pense. Et donc, on va finir en beauté avec la date de sortie, donc qui est juste un peu superflu, enfin superflu. J'utilise des mots un peu compliqués, qui est plutôt, on va dire, qu'on ne connaît pas réellement. C'est donc le mois prochain. Donc on ne sait pas quand. On ne sait pas. Ça peut être début août, milieu août, fin août. Généralement, c'est vers la fin du mois. Déjà, étant donné qu'on peut précommander la semaine prochaine, ça va être début d'août qu'on pourra précommander. L'extension va pas sortir 15 jours après la précommande. Ils vont laisser le temps aux joueurs de précommander, donc on va sûrement sortir fin août. Sachant qu'en plus, ils vont au fur et à mesure dévoiler les cartes. Ils vont pas dévoiler les cartes tous les heures. Ils vont dévoiler une ou deux par jour. Donc, je pense que ça va sûrement être fin août. Ensuite, on peut précommander 50 boosters, donc là c'est en Amérique, enfin avec les dollars américains c'est 50 euros, 50 dollars pardon. Par contre en français ça va être 45 euros. Pour précommander 50 boosters, et les 50 boosters vont permettre d'avoir un dos de cartes. Bon, 50 euros pour un dos de cartes et 50 boosters, voilà, faut vraiment avoir envie de ce dos de cartes ou alors avoir envie d'acheter des boosters. Moi personnellement je n'achèterai pas. Après c'est mon choix, à vous de faire le vôtre. Et aussi, donc, la dernière annonce, donc avant de se quitter avec 5 packs à ouvrir, la dernière annonce qui est le vote. Donc, on peut voter sur le site de Battle.net pour la carte qu'on veut souhaiter dévoiler. Donc là je vous mets une petite capture d'écran. Donc moi j'ai voté pour cette carte là qui ressemble un peu à un serpent, donc on ne sait rien du tout de cette carte, et elle sera dévoilée aujourd'hui ou demain. Donc, comme ça a été balancé hier, enfin, comme ça a été balancé ce matin à minuit et demi, une heure, à mon avis, ce sera plutôt demain qu'elle sera dévoilée. Ouais, demain, sûrement. Ou alors cet après-midi, on ne sait pas. Du coup, vous pouvez voter, donc c'est sur Battle.net, hein, je vais chercher le lien pour la carte qui sera dévoilée. Donc, est-ce que c'est cette carte-là sera dévoilée et pas l'autre? Ou alors est-ce que cette carte-là sera dans l'extension et pas l'autre? C'est à réfléchir, on ne sait pas du tout. Hein. Moi j'ai voté pour le serpent, elle m'a l'air plus stylée que l'autre. Après, ça va vous de faire votre choix comme d'habitude. Hein. Donc voilà, là on a fini un peu avec l'annonce de l'extension. Donc pas mal de grosses surprises, pas mal de petites déceptions aussi, hein, bien sûr. Donc ça va vraiment changer la méta. En gros, la méta c'est la façon de jouer. Hein. Je vous explique pour les débutants. On va ouvrir maintenant les 5 derniers packs. J'espère avoir encore une légendaire. On est un peu gourmand. Juste une rare qui est le puits de la lumière. Encore un Worgen. Encore une hache de forge fou. Décidément, je l'ai en quadruple.
la fabricante d'armes et le rampant, je le triple aussi. Je peux en faire un peu de poussière, ça c'est cool. Une rare, c'est tout. La rare qui est la fusée éclairante. Tous les serviteurs perdent camouflage, détruit tous les secrets. Ok, c'est pas mal. La hyène charognarde, on en avait qu'une, c'est cool. La barrière de glace, le sang-froid et le wargun. On voit donc aussi lui. Le garde funeste, le loup alpha, la mousse à la voile sanglante, le rejeton de la lumière, encore une fabrique de l'arme. Une épique et une rare. La rare qui est la colère divine, encore une fois. Un amasseur de butin, une acclimation, un dragon féerique et la épique qui est. Le heurt de bouclier inflige un point de dégâts à un serviteur pour chaque point d'armure que vous avez. Bon, j'ai pas eu de carte que j'ai besoin pour mon deck, c'est dommage. Le dernier paquet avec une rare. Et c'est tout. Le porte-bouclier, le champion de mal argent, le jeu de faucon dragon que j'ai en je sais pas combien de fois. Et l'explosion de lave. Donc, je suis un peu déçu. Du coup, je vais m'acheter un booster. Voilà. Un rush boud. Ça marche. La boutique bug un peu. J'ai acheté un. Ah, j'ai acheté un gobelin versus une homme. Tant pis. Une rare. C'est tout cool. Le déchiqueteur piloté, le tracker gobelin, le robot barbier, la maîtresse de la douleur et le char de force max. Le déchiqueteur piloté, il me semble que je l'avais besoin, ou alors je pourrais le décrafter, bon c'est pas grave. Bon voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu déjà. J'espère que les infos vous auront été utiles. J'espère que ce petit résumé de la soirée de hier, donc du live de Hearthstone, vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à ouvrir ces paquets avec vous, donc une petite légendaire, c'est pas mal. Je vais pouvoir décrafter aussi pas mal de cartes, avoir de la poussière pour créer mon deck et ensuite monter en ladder. Donc, pour présenter déjà des vidéos d'un peu plus gros contenu, hein, parce que si je monte en ladder, je m'améliore forcément. Et puis des parties qui promettent d'être assez cool, hein, dans le haut classement. Donc là, j'ai dépensé tout mon argent pour acheter ces boosters. Et ne vous inquiétez pas, il me reste plus qu'une aile ou deux à acheter pour l'aile, enfin pour l'aventure du Mange Noir. D'ici là, les vidéos auront le temps de sortir et j'aurai le temps de me refaire une petite fortune. Et peut-être même, pourquoi pas, d'acheter pas mal de boosters le jour de la sortie de l'extension et de vous refaire un pseudonym pack comme ça avec les nouvelles cartes. Moi, je sais pas ce que vous en dites, donc si ça vous plaît, mettez dans la description, lâchez un petit pouce vert, partagez à vos amis s'ils veulent le résumé. Et en tout cas, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.